Membre du MLP. Bonjour. Bonjour. Je suis honoré de vous voir très nombreux pour répondre à notre invitation. C'est donc, je vous remercie très sincèrement. Merci. Je remercie également
les propriétaires de cette salle qui nous ont accordé, de sorte que nous puissions faire cet échange. L'exercice que nous allons tout de suite là nous livrer, c'est un exercice démocratique. Pourquoi la journée d'aujourd'hui? Vous êtes sans ignorer que ça fait plus qu'un an, à peu près un an, que nous n'avons jamais eu d'échange entre la presse et l'honorable Frank Diongo. Il s'agit de lire un message que nous avons rédigé. Normalement, on ne pouvait pas avoir des questions. Et le message sera considéré comme un message écrit. Le message est de 20 pages. Je ne lirai pas le message. Je vais donner donc l'économie du texte. Et le texte vous sera immédiatement distribué. Tout de suite là, les gens qui auront besoin de la version électronique, donc ils vont prendre chez Kevin tout de suite là, dès que je commence, lorsqu'on va terminer à lire les recommandations, donnez déjà mon numéro de téléphone et je vais immédiatement transférer par voie électronique et ils vont vous transférer le texte par Word. Ceux qui ont besoin de PDF, on va vous aider texte par des PDF. Néanmoins, ceux qui ont besoin du texte en dur, le texte en dur est là et on va vous remettre immédiatement. Je vais prendre le texte en dur. Maître John, je peux vous donner le texte électronique tout de suite là. Maître John, je peux vous donner le texte électronique qui est donné à tous les journalistes. Donc, le texte électronique et le texte, il faut donner, mais il faut qu'une personne garde lui-même. Il faut distribuer à toute la presse les gens qui ont besoin. Partout là-bas, là et là, et au milieu, ceux qui ont besoin du texte, parce que les gens poseront des questions par rapport au texte. Donc, nous allons nous convenir de la méthodologie. Donc, je vais donner l'économie. L'économie sur quoi? L'évaluation porte sur le parcours du MLP. Le parcours du MLP et la gouvernance actuelle. Pour nous permettre de comprendre, tirer des conclusions et prendre des résolutions. Ici, je ne vais lire que les résolutions. Au niveau du MLP, il y a des choses qui sont internes lorsqu'on a fait l'évaluation, qu'on ne peut pas vous dire, et des choses que nous pouvons vous dire. Vous savez que le MLP est un parti qui a participé à toutes les grandes échéances politiques du pays. Gaborone, Addis Abeba, Sand City, Île-de-Gorée, Genval et tout, je m'en passe. Mais il se fait que jusqu'à aujourd'hui, MLP ne dirige pas le pays. Est-ce que nous sommes dans la bonne direction? Est-ce qu'on est dans la mauvaise direction et pourquoi? On a été obligé de faire cette évaluation pour savoir si on n'est pas dans la bonne direction. Faudra-t-il introduire les facteurs correctifs? Si on est dans la bonne direction, qu'est-ce qu'il faudra faire pour répondre aux besoins des citoyens congolais? La nature de notre combat dans la création du parti, c'est d'abord de défendre la démocratie. Transformer la RDC en un état de droit. C'est un parti qui a eu la vocation de s'opposer aux forces de statu quo pour les changements réels. C'est comme ça que tout ce combat, il est dans l'opposition radicale pour obtenir le changement réel. À la fin de l'évaluation du parti, nous sommes rassurés, nous sommes dans la bonne voie. Le parti est très constant, bien qu'il y ait des gens qui sont morts, qui sont partis en exil, qui ont été arrêtés, qui ont été condamnés injustement, qui ont des séquelles de dictature. Les partis continuent à vivre. Les partis continuent à s'engager. Et les partis ont renouvelé son engagement de continuer à défendre la démocratie. Comme les rouleaux compresseurs qui ont le parti est en état de combat,
Et que même quand nous sommes en prison, les combats continuent. Vous les avez vus à Nèvres ou à Lèvres quand j'étais en prison. Même quand on sort de la prison, on continue. Vous avez les collègues qui sont avec moi en prison qui sont là. Donc les rouleaux compresseurs, la machine à broyer est en état de combat, état psychologique de s'engager dans la lutte. Maintenant, deuxième partie de l'évaluation, c'est la gouvernance du pays. Alors, ce vaste, c'est la gouvernance du pays. Même les 21 pages qu'on va vous présenter ce matin, c'est seulement une synthèse parce que l'évaluation a donné 182 pages. C'est de 182 pages qu'on a extrait 21 pages. Donc, la synthèse ici, c'est de quelques éléments. Alors, les indices que nous avons tenu compte de prendre et échanger avec vous, c'est d'abord sur la promotion de la démocratie. Est-ce que l'État congolais s'inscrit dans la promotion de la démocratie? Est-ce que l'État congolais s'inscrit dans les programmes de transformer la RDC à un État de droit démocratique? Deuxièmement, les questions liées à la gestion. Là, on a bossé les questions, les considérations économiques générales du pays dans la gouvernance sur le plan social, économique et culturel. La question des infrastructures également, parce que vous êtes sans ignorer que les dépenses d'investissement de l'État, comme dans d'autres pays, les dépenses d'investissement prennent 60 à 70%. Et là, on peut voir, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui partent là-bas, et dans les dépenses d'investissement, comme j'ai parlé des infrastructures, donc dans les infrastructures, nous avons choisi quelques projets de l'actuel régime au pouvoir, notamment le port en eau profonde des Bananas, 2, les projets des 100 jours, 3, les projets des 145 territoires, pour tirer une idée sur le fonctionnement des institutions, la gouvernance ici, la manière que les choses se sont déroulées, respecte les lois de la République et la gouvernance intègre. Et au-delà des considérations économiques et sociales, nous avons pris un autre point, le climat des affaires. À part le climat des affaires, la gratuité de l'éducation, on doit en parler également sur la gratuité des éducations. Parce que nous sommes à une année préélectorale, les questions des élections doivent également être abordées. Au-delà des questions électorales, donc, nous avons également parlé de l'état de siège et la crise à l'est du Congo. Je termine par là, parce que nous allons nous lever. Je vais demander à l'assistante de se lever pour garder une minute de silence. En mémoire de tous ceux qui sont décédés pour combattre pour l'indépendance, tous ceux qui sont décédés pour combattre pour la démocratie, également des nombreuses Congolaises et Congolais qui sont en train d'être assassinés à cause de la crise de l'Est et la guerre à l'Est. Gardez une minute de silence en solidarité avec nos frères et sœurs. Merci, veuillez vous asseoir. Alors, je vais commencer sans tenir compte de l'ordre tel que j'ai énuméré. Je vais commencer par la question de la démocratie. Je vous ai dit que le MLP, à travers son président, nous avons participé à toutes les grandes réunions où on a parlé du Congo. Les questions liées à la démocratie. Est-ce que l'État congolais, si nous prenons à partir de 2000 à 2022, les 22 dernières années, est-ce que l'État congolais s'inscrit dans une voie de la promotion de la démocratie? Les éléments d'analyse que nous allons tout de suite vous révéler, vous allez vous conclure ou nous allons conclure ensemble.
À Sand City, quand nous avons négocié pour mettre un terme à la guerre, il a été question de voter de résolution pour qu'il n'y ait plus la guerre, pour qu'il n'y ait plus l'exclusion, pour qu'il y ait une société réellement démocratique en RDC, à travers les nouvelles institutions. C'est pour cela que nous avons rédigé, donc, votre humble serviteur, pas seulement qu'il a été co-signateur de l'accord global inclusif, co-rédacteur de la constitution de la transition, y compris l'actuelle constitution, de l'actuelle constitution en vigueur, nous avons été co-rédacteurs. Donc nous avons l'esprit et la lettre de cette constitution. La volonté est de l'ensemble des 500 délégués à Sand City et la volonté des législateurs, c'est que le Congo soit un état de démocratie. De sorte que ceux qui gouvernent, gouvernent avec le moyen de l'État et l'opposition également fait l'opposition avec les moyens de l'État. C'est comme cela que nous avons voté de loi pour renforcer la gouvernance institutionnelle avec la gouvernance administrative, ainsi de suite. Et de sorte que l'opposition aura trois lois. Il y a eu une loi que nous avons votée sur les partis politiques, une loi que nous avons votée pour le financement des partis politiques, et également une loi que nous avons votée sur le statut de l'opposition. De sorte que l'organisation de l'opposition soit légale et soit financée par l'État. De la signature de l'accord blanc inclusif, de la rédaction de la constitution, à ce jour, on n'a jamais permis que les porte-parole de l'opposition soient installés, et de sorte que, par exemple, parce qu'il y a un budget qu'on doit payer à l'opposition. 2014-2015, c'était 80 millions de dollars qu'il fallait donner aux porte-parole de l'opposition pour le fonctionnement d'une année. Ce légal est constitutionnel. De 2000 à ce jour, aucun président de la République n'a soutenu le financement de l'opposition alors que les lois ont été votées. On considère cela comme entrave à la démocratie. On considère cela comme le non-soutien de la promotion de la démocratie. Le drame tragique de la tragédie, c'est qu'on a un président de l'opposition qui a fait l'opposition, qui était victime de cela. Mais dans la mandature aujourd'hui, le président de la République, sa gouvernance, ne parlait pas de donner le moyen à l'opposition pour promouvoir la démocratie. Donc le pays ne s'inscrit pas dans une logique de promouvoir la démocratie. Et le combat de Papa Tshisekedi, qui est le père de la démocratie, en renonçant à la non-violence, c'est que nous devons faire tout pour que le Congo soit un état de démocratie. Aujourd'hui, au Congo, on considère l'opposition comme l'ennemi du pouvoir, à tel point que les services de renseignement, l'ANR, qui sont là, l'ANR, la police, les services spéciaux, la justice, considèrent l'opposition comme un anti-patrie, comme l'ennemi du pouvoir. Or, que nous avons organisé légalement, il y a des lois. Ceux qui ont besoin de ces lois-là, ils rentrent à mon cabinet, je vais les redonner, ou aller acheter au journal officiel. La loi sur le financement des partis politiques également n'a jamais été mise en application. Ce sont des instruments qui permettent, bien entendu, la promotion de la démocratie. Il n'y aura jamais de développement sans démocratie. Et pour avoir la démocratie, il faut avoir une opposition légale. Et cette opposition légale est financée par l'argent de l'État. C'est constitutionnel, c'est légal, il y a des lois pour ça. Aucun président n'a accepté ça. C'est ce qui justifie bien entendu les vagabondages politiques, la crise d'identité. Tout le monde tourne du côté du pouvoir pour trouver de l'argent. Ce n'est pas pour cela que nous avons signé l'accord global inclusif. Ce n'est pas pour cela que nous avons rédigé la constitution. Nous avons besoin que le Congo soit un état de démocratie. Le financement des partis politiques, il est clairement établi que l'État congolais soutient les fonctions des partis politiques. C'est établi. Vous trouverez la référence, par exemple, pour les dépenses des élections.
en Belgique, en France et partout dans le monde, de pays riches et démocratiques, l'État soutient, ne fût-ce que la partie des campagnes électorales, de toute la classe politique. C'est pour dire, si l'État dit, prenons les cas une échéance électorale des députés nationaux, l'État dit, les dépenses de campagne sont à 100 000 $ plafond, l'État pour 500 députés, l'État va garder, bien entendu, 500 députés fois 100 000 $, c'est 50 millions $. L'État prendra 50 millions $ à rembourser dans 5 ans, 1 million $ par an pour soutenir la démocratie. Et vous trouverez que l'État ne donne rien aux partis politiques, mais conditionne toujours les partis politiques. On vous dira, il faut 1 000 $ par candidat aux élections, mais comme c'est là aujourd'hui, il faut avoir 300 candidats, donc les partis doivent avoir 300 000 $ pour que la liste aux élections soit recevable. C'est encore à torse, en torse à la démocratie. Alors l'État ne donne rien, il n'a que des exigences aux partis politiques. C'est éloigné de la vision de ceux qui ont participé au dialogue intercongolais et qui ont voulu que le Congo soit démocratique. Et s'écarter de la ligne des pères fondateurs de notre société, de notre indépendance et les pères fondateurs de notre démocratie qui est Étienne Tshisekedi. Ça c'est une idée sur les entorses à la démocratie. Donc le Congo ne va pas dans la direction d'avoir un État qui consolide la démocratie, qui fait la promotion de la démocratie. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, mes chers amis de la presse, les combattantes et combattants du parti et les hauts cadres du parti, je prends un point par hasard. La question des considérations économiques. Le régime actuel au pouvoir a vanté, et c'est vrai, les taux de croissance très élevés, la grande mobilisation de recettes, mais les problèmes qui se posent, quel est le taux de pauvreté? Quel est le taux de chômage? Quel est le taux des inégalités? Est-ce que la mobilisation de recettes vantées, le taux de croissance même le plus élevé de l'humanité, est-ce que cette croissance est inclusive? Est-ce qu'elle aurait tombé dans la vie de la société, de notre population? Non, cela n'est pas inclusive. Parce qu'on vous a distribué les textes, et que je vais être très bref et sommaire, vous voyez tous les chiffres qui sont là. Quelques références qui vous démontrent que ça ne marche pas dans le conseil économique. Après 62 d'indépendance, après 62 ans d'indépendance, 3/4 de la population congolaise vit dans l'extrême pauvreté. Quand je prends par exemple, la question alimentaire, ça c'est publié par le programme Action Mondiale, Action contre la faim. Vous trouverez que en 2018, le Congo avait 13,7 millions des Congolais qui étaient exposés à l'insécurité alimentaire. Alors qu'aujourd'hui, c'est doublé. 27 millions de Congolais sont exposés à l'insécurité alimentaire. Les enfants de moins de 5 ans, nous avons 860 millions de Congolais de moins de 5 ans qui sont exposés à l'insécurité alimentaire. Et de ces 860 millions, vous avez 220 millions d'enfants qui, si on ne les prend pas en charge, ils vont arriver à une situation sévère qui va les amener à la mort. Donc vous comprenez par là. Quand nous regardons le taux de croissance, toutes les statistiques que vous trouverez dans les documents, vous comprendrez que sur le plan économique, le pays est dans une situation très grave. Le climat des affaires. Dans le climat des affaires, tout le monde sait qu'il y a méfiance des investisseurs. Pendant la mandature, les grands investisseurs ne viennent pas. Il faut s'interroger, pourquoi ils ne viennent pas? Parce qu'il y a la morosité des affaires est due, un, au niveau des corruptions très élevées.
l'indice de perception de la corruption pour la RDC, nous sommes parmi les 15 pays les plus corrompus de la planète. Nous sommes parmi les 15 pays les plus corrompus de la planète. Et là, d'ailleurs, c'est Transparency International qui a publié, et vous aurez ça dans les documents. Quand vous observez l'indice Doing Business, le Congo est vraiment à la queue de toutes les nations. Mais pourquoi il y a méfiance dans le climat des affaires? Parce que l'État congolais n'a rien entrepris de tangible dans l'amélioration du climat des affaires et l'attractivité des investisseurs. Il n'y a rien dans l'attractivité et dans l'environnement des affaires, encore moins attirer les investissements. Ce manque d'attractivité des investissements et des manques d'amélioration du climat des affaires est dû également à notre administration. Parce que l'administration congolaise, pour faire confiance, pour les investisseurs fassent confiance à un pays, on étudie son administration. L'administration doit être efficace, efficiente, transparente et responsable. Notre administration n'a pas bénéficié de cela. Ce qui fait que quand les investisseurs observent ça. Mais il y a également d'autres facteurs. L'intrusion de la politique dans la justice, il se pose un problème de la sécurité judiciaire et sécurité de la justice. C'est parmi les indices qui montrent la méfiance, bien entendu, des grands investisseurs pour qu'ils viennent, et bien entendu, dans notre pays. Et n'oubliez pas la rétrocommission, l'exigence de la rétrocommission, la corruption aggravée. Vous comprenez par là que la mauvaise gouvernance est aussi un élément qui crée la méfiance, bien entendu, aux investisseurs de venir. C'est ça qui justifie notamment la morosité que vous observez auprès sur le climat des affaires. J'ai cité, parce que je ne vais pas tout citer, parce que j'ai dit, vous donne l'économie. Ce sont les indices, les indicateurs, ceux qui vont lire pour des questions de précision, je suis à votre disposition. Après le climat des affaires, je parle de l'éducation. Je parle d'éducation, mais nos enfants qui vont continuer avec les grands Congo après nous. Parce qu'une question est posée. Qu'est-ce que nous faisons de notre jeunesse? Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Est-ce que nous préparons notre jeunesse à devenir l'imbécile de demain? Est-ce que nous prenons en compte le besoin de notre jeunesse? Ou nous préparons une jeunesse qui doit, une jeunesse des éponges qui doit absorber tout? Ou nous préparons une jeunesse irresponsable qui ne peut pas prendre conscience de la réalité des dangers et prendre son avenir en main? Une jeunesse empathiste et observatoire. La question liée à l'éducation. Dans d'autres pays comme au Canada, l'éducation et la santé prennent 70% du budget. Au Congo, quand nous avons été en Afrique du Sud, parce qu'il faut connaître l'histoire de votre pays, c'est là que nous avons pris une résolution qu'on a transcrite dans la Constitution pour dire la gratuité de l'éducation. C'est une résolution du directeur congolais qu'il fallait mettre dans la Constitution. Obligatoire, l'école primaire est obligatoire et gratuite. Est-ce que la gratuité de l'éducation a réussi? Vous allez découvrir avec moi, ensemble, que sur le plan des concepts, c'est constitutionnel. Mais je le regrette de vous dire que la gratuité de l'éducation a échoué. Ouais.
La gratuité de l'éducation a échoué. Pourquoi la gratuité a échoué? Faute d'encadrement et d'un bon accompagnement. Ça, c'est premièrement. Comment cela fonctionne? Premièrement, vous savez que la gratuité de l'éducation égale tous les enfants qui sont à la maison rentrent dans l'école, rentrent à l'école, dans les salles de classe. Mais il faut déjà préalablement qu'on connaisse quel est le vrai problème que pose l'éducation. C'est le problème de l'accès. Qui accède à l'éducation? L'accès à l'éducation. C'est le problème de la qualité de l'éducation. C'est le problème des contenus du programme de l'éducation. C'est le problème des matériels didactiques et des infrastructures qui reçoivent de nos enfants. Malheureusement, l'État congolais, l'actuelle gouvernance, a programmé la gratuité de l'éducation, mais vous avez vu que les infrastructures ne sont pas construites. Les salles de classe sont les mêmes. Une salle de classe avec une capacité de 20 étudiants, 20 à 30 élèves, reçoit 80 enfants. Avec des enseignants mal payés, sous-payés, impayés, démotivés, vous aurez quelle qualité de l'éducation, mes amis? C'est un problème sérieux qu'il ne faudrait pas inscrire dans la rhétorique propagandiste. C'est une question de vie ou de mort. C'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de notre jeunesse. Ce n'est pas seulement la question des caractères pléthoriques dans les salles de classe. Là, j'ai relevé en fait les caractères pléthoriques dans les salles de classe. Ce n'est pas ça seulement le seul problème. Je relevais les enseignants qui sont démotivés parce qu'ils sont mal payés, sous-payés et impayés. Mais également, comment on traite les nouvelles unités? Les enseignants nouvelles unités qui enseignent, qui attendent leur mécanisation, les gens qu'on mécanise, ce sont d'autres personnes que ceux qui travaillent réellement. C'est ça. On continue. Vous avez vu qu'on a retraité quelques enseignants. Mais comment nous avons un même gouvernement, un seul pouvoir, des mêmes ministères, mais les enseignants ont 1500 à 2500 colères d'un pour leur retraite, mais dans d'autres ministères, c'est 5000, 10 000, 15 000, 20 000. C'est comment ça se passe? Donc la mauvaise gestion de ces dossiers de retraite, de nouvelles unités, c'est parmi les éléments qui ont contribué à l'échec de la gratuité de l'éducation. C'est question de vie ou de mort. Et nous devons le dire parce que c'est notre destin. Que de prendre la main, nous allons nous effacer et nos enfants vont continuer avec le pays. Nous avons l'obligation morale, politique et historique de garantir une éducation de qualité à nos enfants. Il ne faut pas inscrire la question de l'éducation de nos enfants dans une rhétorique électoraliste et politique. C'est un problème réel qu'il faut prendre. Et là, je vous ai parlé des matériels didactiques, les salles de classe qui n'ont pas été construites. Quel est le rendement d'un enseignant ou d'un enfant qui est dans une salle de 25 à 30 élèves? Ils sont 80. Mes chers amis de la presse, je dois vous dire la vérité que le but de l'école primaire et secondaire, le but de l'école primaire, ce que l'enfant doit connaître, doit savoir, comment écrire, comment lire en langue nationale et en langue officielle, comment calculer, de sorte que même s'il ne terminait pas les études, moi, calculer. Mais à ce jour, la gratuité de l'éducation n'a pas répondu à ces problèmes. Un autre élément qui a contribué à l'échec de la gratuité de l'éducation. La première année, la gratuité de l'éducation est arrivée jusqu'au secondaire.
Les parents se sont préparés pour ça. Mais la deuxième année, on a ramené la gratuité d'éducation uniquement jusqu'en sixième, en excluant septième et huitième. Alors que la loi cadre sur l'éducation a réformé en jusqu'à deuxième secondaire dans cette version, considérant tout cela comme un enseignement de base, de sorte que un enfant, s'il ne va pas continuer, qu'il aille un métier, qu'il connaisse un métier. Mais dans la deuxième année de la gratuité d'éducation, on a ramené uniquement à l'école primaire, en ne respectant pas la loi cadre sur l'éducation, alors que cette loi a été déclarée conforme à la Constitution. Voilà autant d'éléments qui ont fait qu'à ce jour, la gratuité de l'éducation est un échec. La désactivation des écoles. Il est vrai que la personne qui parle de cela, c'est vrai, la désactivation des écoles a créé un nouveau problème parce qu'il y a des écoles qu'on a désactivées, notamment on a désactivé les enseignants des écoles. Désactiver, ça veut dire ne plus le payer alors qu'ils sont en règle avec l'État et qu'on les payait pendant un moment. Et à un moment donné, on les a réactivés, mais 5 à 8 mois, ils n'ont pas été payés. Jusqu'à ce jour, ces enseignants ne sont pas encore payés. Donc, j'ai profité de ces micros pour exiger à l'État de payer ces enseignants dont on a désactivé, on les a réactivés, mais la dette de paiement de l'État, qu'on les paye. Merci beaucoup de m'avoir appelé. Ça, c'est un élément sur la gratuité de l'éducation. Je viens au fameux dossier, bien entendu, des infrastructures. Je vous ai dit dans mon introduction que les infrastructures prennent 60 à 70% dans le budget d'investissement. Ça veut dire que le budget d'investissement pour tous les autres secteurs ne prennent que 40 à 30%. C'est comme ça que le législateur avait, bien entendu, prévu un arsenal juridique pour éviter que l'argent de l'État ne soit détourné. C'est comme ça que vous savez, on a créé, on a voté une loi sur l'autorité de régulation des marchés publics, on a voté une loi sur la passation de marché, comment faire passer un marché public, comment exécuter un marché public, quelles sont les conditions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je prends dans le domaine des infrastructures, prenons par les ports en eau profonde de Banana. Tous les Congolais ont la fierté, ont la volonté, ont l'ambition de nous voir détenir ou être propriétaire d'un grand port. Parce que tous les bateaux qui viennent avec nos conteneurs, les marchandises, viennent, les grands bateaux viennent de partout, de la Chine, de l'Europe. Mais ce bateau arrive à Pointe-Noire et de Pointe-Noire, on prend les bateaux moyens qui peuvent accoster à Boma ou à Matadi. C'est une honte pour le pays. Et la volonté du Congolais, c'est qu'il devait avoir notre propre port en eau profonde, parce qu'on avait une ouverture jusqu'à l'océan. Mais les ports en eau profonde, dès que vous avez vu, le président de la République a posé la première pierre, est un projet, s'il faut dire en réalité, qui a bafoué et le droit et la science. C'est un projet techniquement et scientifiquement réfutable. Vous allez voir ceci. L'enveloppe globale de ce projet-là, c'est 1 milliard 300 millions. C'est un contrat de concession. Suivez-moi, c'est très technique. C'est un contrat de concession, un projet de concession entre l'État congolais qui a 30% et la société Dubai World qui a 70%. La société Dubai Power a 70%. Dans les 70% de cette société de Dubaï, ils ont pris un engagement pour 50 ans. Je vous parle parce que je ne sais pas si quelqu'un de nous sera vivant à 50 ans. C'est un contrat de concession de 50 ans d'année qui peut même renouveler.
Et dans ces condamnations de 50 ans, on n'a pas expliqué aux Congolais pour que les gens tirent des conséquences. On n'a pas associé les populations locales qui vivent. Qu'on va me déplacer. Mais qu'est-ce qui est mal dans ces contrats? Un, lorsque on a donné ces contrats, a été donné à violation de la loi, les contrats étaient donnés, les marchés étaient donnés de gré à gré. Dans la loi congolaise, on ne peut pas donner un contrat de tel montant d'argent de gré à gré. C'est la violation de la loi. D'ailleurs, à l'époque de l'ancien régime, il y a la ministre Mumba des portefeuilles qui avait refusé de signer, bien que le ministre des Transports avait signé. Parce que le contrat, c'était un contrat léonais qui bradait les intérêts du Congo, qui bradait le richesse du Congo. Je vous ai dit que dans les considérations économiques, on a démontré que le taux de pauvreté est très élevé, le taux de chômage est très élevé, le taux des inégalités est très élevé. Donc, il faut tout faire pour concevoir, avoir une créativité, une innovation, pour trouver les moyens à rafler les caisses de l'État pour combattre le chômage, la pauvreté et les inégalités au pays. Donc, chaque source d'argent, le Congolais doit être jaloux pour voir est-ce que l'argent de l'État, l'argent rentre dans la caisse de l'État. Donc, je viens de vous dire que l'État congolais aura 30% et cette société-là de Dubaï aura 70%. Mais ce qui est scandaleux, pas seulement qu'en violation de la loi sur la passation des marchés, parce qu'il fallait préalablement faire ce qu'on appelle l'appel d'offres internationales, c'est-à-dire la mise en concurrence pour que l'État puisse choisir quel est l'opérateur ou le soumissionnaire où l'État va se retrouver. Il n'y a pas eu de mise en concurrence, il n'y a pas eu d'appel d'offres internationales, c'est comme clientèle, les gens, amis et amis, on se donne des marchés en violation de la loi. Ça, c'est le premier élément, le cadre légal n'a pas été respecté pour que cette entreprise de Dubaï bénéficie de la concession des ports en eau profonde des bananes. Deuxième élément, dans les contrats, vous trouverez que dans les contrats, il y a les indices ou les références des rémunérations des agents publics de l'État. La loi sur la passation du marché n'autorise pas cela. Ça, c'est deuxième irrégularité. Troisième irrégularité. Les 30% de l'État congolais sera accordé à une société à créer. La société n'existe pas encore. Vous imaginez un peu ça? On ne sait même pas qui seront les propriétaires, les actionnaires de cette société-là. Donc, vous avez compris qu'il y a le soupçon de corruption parce que c'est très opaque. En conclusion donc, dans la situation du port à nos pauvres de Banana, les recherches que nous avons menées commandent à ce que les peuples congolais exigent de mettre un terme à ces contrats pour revenir dans la procédure légale. Donc ça doit être arrêté. C'est une opération opaque de corruption et de détournement d'argent. Voilà. 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 Et qu'un débat serait soit engagé dans notre société pour qu'on comprenne quel est l'intérêt. Qui doit construire? Donc, les ports en eau profonde des bananes posent trois problèmes. Qui va construire? Pour construire, il faut respecter la procédure légale. Qui va gérer et qui va exploiter? Donc, les premiers posants en termes de la construction, de l'exploitation et de la gestion. Et dans les études pendant les négociations, les plus grands spécialistes du Congo ont été exclus. Je cite, l'ex-Sonatra n'a pas été associé, l'OEBK n'a pas été associé. C'est comme quand on a négocié le projet de Inga 3, on a exclu la SNEL. On a exclu la SNEL qui est la plus grande experte en matière d'électricité. Donc, pourquoi, quel est l'intérêt d'exclure le plus grand expert en la matière? Vous comprendez par là que c'est un contrat léonais pour enrichir le privé, mais ce n'est pas un projet d'espoir comme nos frères du Bas-Congo pensent que les ports à eau profonde, c'est une réponse aux exigences de la population. C'est contre la population du Bas-Congo, c'est contre la population congolaise. Ce n'est pas un port pour l'intérêt du Congo. 70% privé, leurs règles de bradage ont été réunies. Il faut que les peuples congolais bloquent ces projets et demandent à ce qu'on revienne dans la procédure légale parce que c'est illégal. Le projet des 100 jours.
Le projet de son jour pose un problème sérieux de conscience qu'il faut apaiser les esprits. Le problème n'est pas tout simplement de 57 millions dont on a vu les procès et que tout le monde a été acquitté, sauf une seule personne qui est condamnée à mort, c'est le juge Yanni, qui a laissé sa femme et ses enfants. Parce que personne n'a fait quelque chose. Tout le monde est acquitté. Il n'y a aucun responsable. Mais on nous a présenté que l'argent est sorti. Vous savez c'est quoi le projet des 100 jours? D'abord, le projet des 100 jours est évalué à 427 millions de dollars. Presque 500 millions de dollars, l'équivalent de l'argent qu'on aurait dans les élections. C'est 497 millions de dollars. Le président de la République a confirmé lui-même, Nicolas Cazadé a confirmé au Parlement, Nicolas Cazadé, qui est le coordonnateur, a confirmé. Donc, c'est 427 millions de dollars. Et sur les 427 millions de dollars, en septembre 2019, l'État avait décaissé déjà 216 millions de dollars. Parce que les gens regardent seulement les 57 millions. Mais 216 millions de dollars avaient été décaissés en septembre 2019. Et le Congolais a besoin de savoir qu'est-ce que devenu les 427 millions de dollars. Personne n'a présenté les rapports de synthèse publique. Personne n'a présenté les infrastructures du fait. On nous dit rien sur les 427 millions de dollars. Alors que le peuple congolais est en difficulté. La population est pauvre. Il est dans le chômage, ainsi de suite. Donc, pour le procès de 100 jours, qu'est-ce que nous exigeons? Parce qu'il se pose un problème de conscience. D'apaiser les esprits et les différentes consciences. Il faudrait, un, que l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, puisse bénéficier des moyens du gouvernement, donc que le gouvernement donne des moyens, de sorte que la ARMP procède au recrutement d'un cabinet d'audit international pour auditer les projets de 100 jours pour savoir les 427 millions de dollars ont fait quoi et sont où. Et ce résultat de cet audit va permettre à ce qu'on sache s'il y a eu détournement, s'il y a eu corruption, s'il y a eu violation des passations du marché qui ont été données de gré à gré. À ce moment-là, on doit avoir de responsables et on va ouvrir un procès de 100 jours. Donc, le procès de 100 jours n'est pas fini. Les Congolais doivent régler. Alors, le projet des 100 jours, l'affaire des 100 jours n'est pas terminée. Ce 497 millions de dollars, ça doit être justifié. L'importance d'un cabinet d'audit international, c'est parce qu'ils sont recrutés par appel d'offres internationales, ils sont dans la bourse, ils ne vont pas venir accepter la corruption pour dire des maçons. Alors, si le gouvernement congolais ne veut pas donner des moyens, alors, le gouvernement congolais peut recourir, bien entendu, aux partenaires techniques et financiers, tels que la Banque mondiale, pour donner l'argent à la ARMP pour permettre à ce que les Congolais apprennent qu'est-ce qui a été fait avec les 427 millions de dollars. Donc, pour le peuple congolais, l'affaire des projets des 100 jours n'est pas finie. On doit savoir notre argent est parti où, on a fait quoi avec cet argent. Compteur à zéro, c'est vrai, compteur à zéro. Donc, ton bandit, on n'a pas encore commencé à faire des 100 jours, on n'a pas encore commencé. Je parlais du fameux projet des 145 territoires. Le projet des 145 territoires, c'est un projet en fait qui a bafoué également le droit et la science. C'est-à-dire, c'est un projet politiquement irréaliste, scientifiquement et techniquement réfutable,
et juridiquement illégal. Tenez mes amis, je dis ceci, le projet des 145 territoires est politiquement irréaliste, techniquement et scientifiquement réfutable et juridiquement illégal. Tenez mes amis, tenez. Le projet des 145 territoires, en réalité, c'est le nouveau nom des programmes des 5 chantiers, c'est le nouveau nom de la révolution de la modernité. Donc en fait, le projet des... Suivez-moi, mes amis, suivez-moi. Le projet des 145 territoires, en réalité, c'est de la rhétorique électoraliste et propagandiste. C'est-à-dire, c'est le nouveau nom des programmes de 5 chantiers, c'est le nouveau nom de la révolution de la modernité. Voilà, je vais vous le démontrer. Je vais vous le démontrer, s'il vous plaît. Je suis très sérieux et je suis prêt, moi-même, suivez-moi, que ce soit moi-même ou les partis, nous sommes prêts à engager un débat contradictoire avec n'importe qui sur chaque projet que nous avons critiqué. C'est scientifique et technique. Même aujourd'hui, je suis prêt. Alors, pourquoi c'est illégal? Je vous ai dit qu'il y a eu... D'abord, c'est quoi le projet des 145 territoires? Le projet des 145 territoires, c'est un projet évalué à 1,660 milliard de dollars. Sur les 1,660 milliard de dollars, normalement, à trois, échelonné avec trois exercices. Premier exercice, c'est en 2021, 300 millions de dollars. 2022 aujourd'hui, 700 millions de dollars. Et les 660 millions de dollars l'année 2023. Trois exercices. C'est quoi les programmes de 145 territoires? C'est des projets pour les routes des déserts agricoles uniquement, pour la construction des écoles, pour la construction des hôpitaux, la construction des équipements dans l'administration territoriale, telle que le bureau des affaires du territoire, et je m'en passe. L'enveloppe globale, c'est 1,300 milliards. Alors, parce qu'il est question des projets, qui seront les agents d'exécution de ces projets-là? C'est la première anomalie. Ils vont recruter l'État congolais. La gouvernance actuelle va recruter le PNUD, qui est un agent des Nations Unies, qui n'a aucune compétence dans la loi sur la passation du marché, sur l'exercice du marché, sur le contrôle du marché. Ils vont recruter le PNUD, qui n'a aucune compétence légale d'intervenir. Ils vont recruter des agences du ministère des Finances. BCECO. Je vais vous dire BCECO, c'est quoi? C'est bureau de coordination. Le BCECO a été créé en 2002, une structure provisoire, parce que la loi sur la passation du marché au Congo relève des 69. Et dans les années 2000, la loi n'était plus adaptée. C'est comme ça qu'on a dit, les partenaires techniques et scientifiques, techniques et financiers, tels que la Banque mondiale, ils ont exigé un cadre de transition, un cadre transitoire pour ce qu'il faut qu'on fasse la passation du marché, qu'il y ait le contrôle. Dès lors qu'on a voté la loi, la nouvelle loi sur la passation du marché qui remplace la loi de 69, dès lors qu'il y a une loi sur l'autorité de régulation des marchés publics, le BCECO n'a plus sa raison d'être. C'est une structure illégale qui ne peut traiter aucun marché à ce jour. Et c'est cette structure-là transitoire
qui n'a plus de garantie juridique, il se pose un peu de la validité des actes que Bézéko va poser. Alors, ils vont parler des agences du ministère des Finances, il y a ce qu'on appelle la CEFFEF. CEFFEF. Des agences, en fait, du ministère des Finances. Donc, le PNUD et les deux agents du ministère des Finances, dont Bézéko, ne sont pas qualifiés, n'ont aucune compétence légale d'intervenir dans un processus de passation du marché et d'exécution des marchés. C'est illégal. Le projet des 145 territoires doit être arrêté parce que illégal. Les agents d'exécution n'ont pas la compétence, la légalité de poser des actes. Ça, c'est première irrégularité et première anomalie. Deuxième anomalie ou deuxième irrégularité. Le projet, le programme des 145 territoires, vous avez compris, on a promis aux Congolais, plus précisément pas les présidents de la République, de faire des Congolais des millionnaires. Mais dans la répartition des 1 660 millions, la répartition équitable entre les territoires, c'est-à-dire 145 territoires, chaque territoire a 10 millions de dollars. Pour les profanes, tu vas comprendre que non, c'est un traitement équitable. Tout le monde a 10 millions de dollars. Mais en réalité, mes amis de la presse, les 10 millions de dollars donnés à chaque territoire va aggraver l'injustice sociale. Parce que les territoires n'ont pas les mêmes problèmes. Les territoires n'ont pas le même problème. N'ont pas même espace en termes d'étendue. Vous prenez les territoires tels que Kasenga. Le territoire de Kasenga est plus vaste que le Rwanda. Un territoire mais plus vaste que le Rwanda. Et le Rwanda a 4 milliards de dollars par an. Donc, le fait que les territoires n'ont pas les mêmes problèmes, n'ont pas les mêmes difficultés, 2 millions de dollars comme garantie, pour avoir accès à un marché de 145 territoires. Dis-moi, quelle est la petite entreprise congolaise qui peut avoir 2 millions de dollars dans son compte? Deuxième élément, on vous exigera d'avoir une expérience professionnelle d'aider à 10 millions de dollars. C'est-à-dire, les marchés de 145 territoires, ce sont les Chinois, ce sont les Indiens, ce sont les Libanais, les étrangers qui vont construire. Par conséquent, les Congolais sont sacrifiés alors qu'on donne l'image de donner le travail et rendre les Congolais des millionnaires. Donc je dénonce encore les points de 145 territoires qui excluent les Congolais. L'État a-t-il donné le marché de 2 millions de dollars à combien de Congolais? Qu'on nous le dise! Ou alors, les gens vont faire des groupements avec l'argent de l'État pour, comme une opération rétro-commission. Donc vous comprenez par là que... Et on ne nous dit pas, le projet de 145 territoires va créer combien d'emplois, va réduire la pauvreté à quel taux, va faire augmenter le taux d'électricité à quel taux, taux de desserte à eau potable à quel taux, on ne nous dit pas, on va réduire le chômage à quel taux, on ne nous dit pas. Donc vous allez comprendre que tellement que le problème est profond, c'est un problème électoraliste, c'est la rhétorique politique. Ça ne se limite pas là-bas, la situation de 145 territoires. Au-delà de ce que je venais de vous dire, je prends l'exemple des routes. C'est là où il y a la plus grande difficulté. Vous savez d'abord que dans les réseaux routiers congolais, c'est un réseau routier, bien entendu, et d'extraversion. Ça veut dire que les Belges ont construit un réseau qui fait partir nos richesses à l'extérieur. De ce fait donc, ces richesses-là
Ils ont conçu là où on met le train, c'est-à-dire la voie navigable n'est pas possible. Donc il y a des territoires dont les débouchements ou les désenclavements sur les trains, les désenclavements sur le fleuve ou l'eau ou la rivière, ou les désenclavements sur la route. Donc, les projets de 145 territoires sur les routes, donc, ils n'ont retenu que les routes de dessertes agricoles. Alors que dans la catégorisation des routes, vous avez les routes nationales telles que la route qui prend Banana jusqu'à Lubumbashi, passant par les Kassai, passant par les Bandundu, c'est-à-dire une route qui traverse tout le pays. Il y a les routes nationales, qui sont les routes des premières nécessités, et les routes qui sont les routes provinciales et les routes locales. Donc, imaginez-vous, aucune route nationale réhabilitée, aucune route provinciale réhabilitée, ils vont aller réhabiliter une route territoriale. En fait, dans leur idée, si on réhabite les routes des déserts agricoles, dans chaque territoire, les routes provinciales seront désenclavées, les routes nationales seront désenclavées. Donc, vous comprenez que scientifiquement, c'est même bête. Excusez-moi. Hein? Donc, je vous ai dit que techniquement, ça ne se donne pas. En réalité, il devrait y avoir un plan général de développement des infrastructures dans lequel on devait sortir de ce plan systémique les petits projets sur les écoles, sur les routes et sur les hôpitaux. Donc, vous avez compris que techniquement, juridiquement et scientifiquement, ça ne tient pas la route. La question, on en a parlé également. La question des élections, j'ai parlé pas du français, la question des élections. La question des élections, je termine par là, sinon les restes des problèmes, vous allez. Non, je vais après ça sur l'état de siège. La crise allait sur l'état de siège et je termine. J'ai lu les résolutions telles que je vous dis, la conclusion de cette analyse, les résolutions, et je serai à vous et pour les questions. En fait, la question de. L'état de siège. Je suis maintenant dans la question de l'état de siège. La crise à l'Est et l'état de siège. Vous savez que l'état de siège, je vais demander à mes services. Où est l'autre phare de là? Où sont les autres phares de là? Il y a une phare qui a des papiers. Il y a une phare qui a des graphiques là. Alors, mes chers amis, je vais vous présenter, je parle d'abord de l'état de siège. L'état de siège également est un échec. Suivez-moi. L'état de siège est un échec. Et je vais vous démontrer pourquoi un échec. Ce document présenté par Jeune Afrique, dont j'ai vérifié l'authenticité, vous sera distribué pour comprendre l'échec de l'état de siège. Pourquoi l'échec de l'état de siège? En janvier 2019, c'est-à-dire le président Tshisekedi prend le pouvoir. Le chiffre des morts est évalué à 50. Alors, l'étude qui est présentée dans les papiers que je vais vous donner ici, publiée par Jeune Afrique, dont j'ai vérifié l'authenticité auprès d'Estani Boujakira, qui a confirmé l'authenticité du document que ce Jeune Afrique qui a publié, que moi je vais vous distribuer parce que vous allez poser des questions aux gens qui gèrent le pays. L'étude a commencé du mai 2019 au mai 2022. Mai 2019, il y a eu 1222 morts. Combien d'incidents? 1014 incidents. Combien de blessés? 2392 blessés. En 1200, alors maintenant, entre mai 2020 au mai 2021, ça quitte de 1222 à 1350. De mai 2022 au mai 2021,
en mai 2022-2563. La période de l'état d'urgence de mai 2021 au mai 2022, ça passe de 50 à 2019 à 2563 morts. Or, l'état d'urgence avait pour objectif d'arrêter les morts. Donc, c'est un échec. Alors, parce que je vais vous lire les résolutions, la question de la crise est globalement, et vous allez revenir à la crise. Donc, permettez-moi de lire les résolutions, les conclusions et les résolutions pour passer au jeu des questions et réponses en français. Et je parlerai également à Lingala d'une manière sommaire. Et tout ce qui vient d'être dit, à la lumière de l'évaluation de notre parti sur la gouvernance du pays par le régime actuel au pouvoir, nous a permis de conclure que 1. Le pays va très mal et c'est dans tous les secteurs de la vie nationale. Il est engagé dans la mauvaise direction et va tout droit vers sa désintégration, sa déchéance et le chaos. Le désastre sera plus grave qu'il ne l'est aujourd'hui, surtout que tous les indicateurs sont au rouge. Le régime actuel au pouvoir est considéré aux yeux du peuple congolais comme un espoir déçu au regard des attentes et de la mauvaise gouvernance politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle. Il n'a pas coupé les cordons ombilicaux avec les antivaleurs et leurs auteurs que nous avons combattus avec notre père Étienne Tshisekedi et que nous continuons à combattre aujourd'hui et demain afin d'obtenir le changement réel. 3. La rupture FCC-CACH, annoncée avec fracas, n'a été qu'un trompe-l'œil, une chirurgie de surface superficielle, donc pas de rupture avec le passé. L'actuel régime au pouvoir, ayant décidé de s'inscrire dans la continuité de la philosophie générale des régimes antidémocratiques de ses prédécesseurs de triste mémoire. La continuité de la mauvaise gouvernance, basée sur la démagogie, les mensonges d'État, l'illusion démocratique, la corruption aggravée, l'enrichissement à outrance et illicite, la terreur, la gabegie financière, l'impunité, le tribalisme, le favoritisme, aveugle, les détournements, les violations des droits de l'homme, les violations des droits de l'opposition, les laxismes dans la gestion de la chose politique, les népotismes, l'absence de la volonté politique de transformer la RDC en véritable état de droit, où il ferait beau vivre et tant d'autres, renforce notre thèse sur la gouvernance conservatrice. L'actuel régime au pouvoir représente une menace sérieuse contre la démocratie, l'unité nationale, l'avenir du pays et notre destin. Il est un obstacle à la construction de notre destin pour une société libre et prospère. 5. L'actuel régime au pouvoir a choisi volontairement et délibérément de s'écarter de l'identité, de la doctrine et de la philosophie générale, de la vision ainsi que du schéma tracé par son immortel fait Étienne Tshisekedi wa Mulumba, mon maître. Rejetant ainsi son œuvre, son combat, son héritage qu'il a renvoyé dans la poubelle de l'histoire. Ce régime
est comme ses prédécesseurs, un régime. Un régime. Je disais ceci, ce régime est comme ses prédécesseurs, un régime contre les peuples. Qu'il faut à tout prix, qu'il faut à tout prix combattre par des voies démocratiques. Au regard de tout ce qui précède, les résolutions suivantes ont été adoptées. Première catégorie des résolutions. Les résolutions pour les MLP, le parti. Première résolution du parti. Le MLP, parti bâti, parti miraculeux, renouvelle son engagement et son serment fait au peuple congolais de continuer avec les combats de Patrice Emery Lumumba et de Etienne Tshisekedi Mulumba conformément aux principes valeurs, conformément aux principes valeurs et schémas tracés par ces derniers pour la construction d'une société libre et prospère. Deuxième résolution du MLP. Deuxième résolution du MLP. Le MLP, parti martyr, parti miraculé, et son président, votre humble serviteur, l'honorable Franck Diongo, appelé par vous, peuple congolais, héros vivant, n'ayant pas géré avec l'actuel régime au pouvoir, n'endossera pas un seul instant son bilan largement négatif. Le MLP, parti martyr, parti miraculeux, et son président que vous avez qualifié, que vous appelez affectueusement héros vivant, n'ayant pas géré avec l'actuel régime au pouvoir afin d'obtenir les changements réels au pays, tel que longtemps souhaité par notre peuple et nos pères fondateurs de la démocratie et de l'indépendance. Troisième résolution du MLP. Troisième résolution. Le MLP informe la communauté nationale et internationale de sa ferme volonté, sa détermination et son engagement irréversible de participer aux élections de 2023. Qu'il souhaite être libre, juste, honnête, sincère, crédible et transparente, dans le strict respect du délai constitutionnel. Et c'est avec un vote manuel ou semi-électronique. Le MLP s'oppose radicalement au vote électronique. Quatrième résolution. Le MLP invite la jeunesse congolaise à s'enrôler massivement dans l'armée afin de défendre notre mère patrie. Suivez-moi bien, le MLP alignera les candidats à tous les niveaux aux élections prochaines. Vous pouvez arrêter
a fait, mes amis. Ça, ce n'est pas pour les partis. Est-ce que beaucoup d'en a? Vous pouvez suivre, mes amis. Alors, les orientations du MLP au peuple congolais. Les orientations du MLP au peuple congolais. Rappel au peuple congolais de se rappeler que la défense de notre patrie et de la démocratie a toujours été sacrée pour nous, surtout quand notre destin est menacé comme maintenant. Deux, le sentiment patriotique acquis nous pousse toujours à la résistance mobilisée contre la nouvelle dictature, la balkanisation et l'occupation de notre pays par les forces étrangères, le Rwanda et consorts, avec la complicité de certains nationaux. Car le résultat de notre combat, vos sacrifices endurés, vous, notre peuple, et les nôtres sont sacrés. Nous devons avoir le courage de regarder les choses en face, les antivaleurs, les analyser objectivement, les changer et les faire basculer en nous éloignant radicalement du fanatisme aveugle, du tribalisme, du sensationnalisme qui sont des vecteurs anti-patrie et anti-changement réel. 3. Les riches expériences et tradition de nos ancêtres, de nos pères fondateurs, de notre indépendance et de notre démocratie, nous poussent à nous unir, nous rassembler autour d'un idéal, d'un programme, des valeurs et des principes communs. Résolution maintenant au peuple congolais. Première résolution au peuple congolais, Dieu m'aide pour le peuple congolais, de rejeter Félix Antoine Tshisekedi et son régime. Première résolution au peuple congolais. Le MLP demande au peuple congolais de rejeter Félix Tshisekedi. Et son régime, car il s'est écarté de la ligne du combat de notre père, son immortel Étienne Tshisekedi Wamulumba. Deuxième résolution, d'accepter, de s'unir, de se pardonner, se réconcilier, se rassembler autour d'un idéal commun et non autour d'un homme pour combattre, défendre la démocratie, le développement, la mère patrie menacée par des ennemis internes et externes. Troisième résolution au peuple congolais. Nous invitons le peuple congolais de rejeter avec force les votes électroniques au cas où la CENI s'obtiendra à nous l'imposer. J'ai dit ceci. Nous invitons le peuple congolais de rejeter avec force le vote électronique au cas où la CENI s'obstinera à nous l'imposer. Quatrième résolution. Rejeter toute planification des fraudes électorales qui s'opère en vue d'obtenir un deuxième mandat et la majorité parlementaire par la tricherie. Cinquième résolution. Vous, peuple congolais, d'être aux aguets pour suivre les nouvelles informations et orientations qui lui seront données au regard de l'évolution de la situation politique
économie sociale du pays. Résolution à la CENI. Je vais me limiter là-bas. Alors, résolution à la CENI. Ça, c'est la synthèse de tout ce que nous avons dit, ces résolutions-là. Le MLP rappelle à la CENI que la volonté politique de la création de la Commission électorale nationale indépendante à Saint-City, telle que voulue par l'ensemble des participants, en vertu d'une résolution ayant sanctionné l'accord global inclusif, était de rendre cette institution réellement indépendante. En conséquence, la CENI doit se conformer à la volonté contenue dans l'accord global inclusif, acte fondateur de la constitution actuelle qui a créé une structure d'appui à la démocratie et non à tuer la démocratie. Deux, se rappeler que le résultat des trois cycles des élections passées n'ont jamais été acceptés au regard des volumes et des contestations. Ces élections n'ont jamais été sincères, transparentes et crédibles. C'était un véritable gâchis pour la République, un désespoir, un découragement pour les peuples et alors risque de réduire les taux de participation aux élections prochaines. De la sorte, nous recommandons à la CENI de mieux organiser l'ensemble des processus électoraux différemment des précédents et lesquels se doit être juste, régulier, périodique, fiable, crédible, honnête, sincère, libre, transparent et inclusif pour que le résultat soit accepté par tous. Le MLP recommande à la CENI d'écarter les votes électroniques que notre peuple n'acceptera jamais, au risque de brûler le pays et de privilégier plutôt les votes manuels ou semi-électroniques. De tout faire pour organiser les élections dans le strict respect du délai constitutionnel. Aucun glissement ne sera toléré, ni accepté, ni par nous-mêmes, ni par les peuples congolais. On est à la fin. Maintenant, les résolutions pour le gouvernement, je vais dire seulement une seule résolution par rapport à l'état des sièges et les autres, vous allez le comprendre. Pour le gouvernement, il y a beaucoup de résolutions, mais je lis une seule résolution. Sur l'état de siège, résolution, c'est la troisième résolution. Le chèque de l'état de siège, c'est le chèque d'un homme, de sa politique et de son gouvernement. C'est le chèque du président de la République qui n'est pas à mesure de sécuriser les Congolais, protéger les frontières suite à la mauvaise politique de défense et de sécurité. Je vous remercie. Amen.